22h sur Énergie. On a Bossria. Bossria. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. T'habites où? Berville-sur-Seine. Où? Berville-sur-Seine. Berville-sur-Seine. Ah, d'accord, très bien. Je découvre la France à côté sur la Seine. Berville-sur-Seine, c'est ça? Peut-être. Oui, à côté du Clairon. Ouais, c'est là où, à côté du Clairon. Bien sûr, c'est là où bien. Je sais pas du tout où il habite. Bon, alors en attendant, Bossaria. Quand je te dis fort, j'arrive pas à le dire. Et quand je te dis comme ça, j'arrive. Bossaria. On dirait un nom de danse. Bossaria. Ouais, je fais de la Bossaria. Ouais. Bossaria. Bon, alors, tu veux demander quoi et à qui pour le dis-moi oui? Donc, je vais demander à ma chérie de m'épouser. Oh, c'est pas. Mais t'as quel âge elle a? 17. Oh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 semaines. Ouais, c'est une blague. Elle est déjà enceinte, j'imagine. Reviens sur Terre, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah mais ça c'est les Bossrias. Ils vont taquer. Qu'est-ce qui se passe? T'es mis le haut débit là? T'es chez Free? C'est quoi le délire? Et la fibre. Oh, je suis fou amoureux d'elle. Mais calme-toi. C'est très bien. Mais toi t'as quel âge? 22. Mais tu vas la faire flipper là, tu sais. Mais arrête, mais tu vas pas demander en mariage une fille avec qui t'es depuis 3 semaines? Mais oui, tu la connais à peine. Mais elle a 17 ans quand même. Ouais. Oui, en plus. Bah, elle a déjà divorcé une fois. Elle est veuve. Ouais. Vous avez déjà fait l'amour? Oui. Ah. C'était bien? Bah ça va alors. C'était bien? Oui, s'il veut l'épouser. Tu connais ses parents, tu connais sa famille? Oui. Déjà? Tu la sens prête ou... Oui. Non mais attends, si elle dit oui, on peut pas cautionner ça. Ah ouais, non. 3 semaines, les gars. Moi, je sors de ce truc. Hein. T'es sûr de toi, Bossria? Alors, tu vas me dire, c'est qu'une demande. Hein. C'est comme quand tu signes pour un appart. Après, t'as la banque qui te dit non, mais t'as signé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, et tu penses qu'elle va dire quoi? Bah, je pense qu'elle va dire oui, oui. Non mais attends. Tu penses qu'elle va dire oui? On se marier sur Facebook, peut-être, mais en vrai, c'est chaud. Quoi. Non mais... Devenez d'abord amis sur Facebook. Ouais. Vous avez déjà fait cette... Faut essayer ça, déjà, c'est bien. Non mais vos parents, ils seront jamais d'accord. Ah ouais. Enfin, ça coûte cher en plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire tes parents? Ils vont être surpris, oui. Ah oui. Tu m'étonnes, c'est pas surpris. C'est qui paye, hein. C'est une demande, ça coûte rien de la faire. T'as raison, vous savez quoi? On y va. Voilà. Oui. Mais si elle dit non, tu vas être anéanti, non? Vous organisez ça dans si un flunch. Tu la quittes pas quand même. Avec un sale à volonté. Mais attends, c'est pas plus mal. Tu fais venir les mecs du meilleur mariage, ils te mettent deux. Hop, c'est fini. Et donc toi, tu dois la convaincre, un coco. Ah ouais? Hein, tu dois la convaincre, hein. Ah bah c'est ton rôle, hein. Ah oui. C'est bien le mari. Elle a liké le défi, là, on a passé les 5000 likes. Ah ouais. Allez, dépêchez-vous. Allô? Oui, c'est Cilia? Oui. Bonjour Cilia, moi c'est Koé, comment ça va? Quoi? Ah, petit bug. Non, c'est pas c'est Koé. Ça va bien? Oui, non, oui, et vous? Mais ça va très bien, oui, ma belle. Vous je suis avec Bossria. Chez Bossria. Vas-y, dis bonjour à ta chérie. Ouais, bébé. Bébé, il parle. Je suis avec ton elle mec. Elle est partie, elle est elle partie. A raccroché. Je ne le connais pas. Non. On est mal barré là. Je suis avec Bossria, elle a raccroché. Oui. Ah, c'est un pervers. Je le connais pas. On y retourne, on y retourne. Allez liker la vidéo, allez liker la photo de Mika. Parce que plus vite on arrive aux 30 000, plus vite on l'envoie se faire manger dans les hamburgers des autres. On a 6 000 là. Allez, voilà. Allô, Cilia? Oui. Bah, qu'est-ce que t'as fait? T'as raccroché? C'est pas moi? Ah bon? T'as coupé. Je tournais. Bon. T'as joué. Alors, je suis avec ton mec. Oui. Il a quelque chose à te dire. Bossria, vas-y, faut que tu parles là par contre, hein, c'est important. Allez, courage. Allô, mon cœur. Un truc pas grillé. On va te demander, veux-tu m'épouser? Ah oui, direct, même. Oui, je veux. Mais vous êtes dingue, vous êtes dingue, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Moi je m'en fous, j'appelle la police tout de suite. Arrêtez vos conneries, t'as 17 ans. Et tu le connais depuis 3 semaines. T'as 17 ans, meuf, dites que tu le connais depuis 17 ans, fais pas ça. T'arrives même pas à dire son prénom encore. T'arrives même pas. Mais tu sais même pas comment ça s'écrit, Bossria. Mais vous avez le temps. Comment tu l'écris? Comment ça s'écrit, Bossria? Non, pas toi, c'est trop facile, c'est tiens. Cilia, comment ça s'écrit, Bossria? On peut pas dire. Ouais. B-O-U. Ouais. A-S-I-R-A. Non, c'est pas Bossria. C'est pas Bossria, c'est Bossria. Le R, tu t'es trompé de place. Non, mais... Ah, c'est un signe. Tu te vois devant le maire en train de dire oui, Bossria. Non, c'est Bossria. Oui, oh, d'accord, que te soit. Vas-y, il est né. C'est quoi sa date de naissance? La mienne?
La sienne. Je la connais pas par cœur. Ah là là. Voilà, tu veux épouser un mec, tu connais même pas sa date de naissance. C'est pour la première fois que ça arrive. Boussard-Boyard, c'est quoi la date de naissance de Cilia? Le 8 septembre 1977. Ok, il est chaud. On est donc d'accord que toi, t'es follement. Non, pas 77. Non, si elle a 17 ans. 97 peut-être. Eh, Bossaria. Oui. 77, elle a pas 17 ans. Il va s'endormir devant le maire. Hein? 37. 97. 97. Ah là. Ouais. Non, mais là, c'est le dis-moi non là qu'il faut faire, les gars. Eh, non, c'est pas possible. Chelou. On refuse. Sylvia, tu ne peux pas accepter Sylvia, au bout de 3 semaines. Sylvia, tu vas pas te marier avec lui. C'est ton premier mec? Non. Mais tes parents et chaudière. Tout. T'es chaud, toi. Ta famille, ils vont accepter, Sylvia? Mais clairement. Ouais, tu as 17 ans. J'en sais rien. T'en sais rien, d'accord. Et tu t'y vois, la partie pour 50 ans, avoir 60 ans de vie commune, le scénic, le chien et tout. Le cliché. Quoi. Mais vous avez le temps. Qu'est-ce qui est si urgent que ça que je comprends pas? Mais j'en sais rien. Non, parce que hey, vous allez plus avoir de mots à vous dire. C'est surtout, bah, j'ai déjà rien à vous dire maintenant. J'ai rien à se dire tout de suite, alors imagine dans deux ans. Boussaria, pourquoi maintenant? Tu peux pas attendre? Je veux faire la demande maintenant et après, bah, plus tard, je ferai la vraie demande. Ah, tu fais la demande maintenant et dans 5 ans, l'autre demande. On va dire que c'est les fiançailles. C'est bien. Ça va, dans 5 ans. On se marie dans 15 ans. Ah, mais en vrai, vous voulez vous marier dans combien de temps? Je ferai la vraie demande dans 5 ans. Mais les gars, pourquoi tu nous appelles? C'est quoi l'intérêt alors? Oui. Bah, c'était pour lui faire une déclaration. Mais voilà, c'est la radio, c'est C'est mignon, vous êtes mignon. Oh oui, alors on se marie pour du faux alors? Ah bah, c'est mignon alors. Oui. Ah bah, d'accord. En tout cas, elle a dit oui tout de suite, elle est très amoureuse. Qu'est-ce qu'il y a, Boissaria? C'est Chloé qui fait le prêtre alors. Mais voilà, marie-les tout de suite, marie-les tout de suite. Oui. Il va être marié sous le régime. Je vais le faire immédiatement, Mais moi, t'as pas une chambre d'écho, un truc de prêtre comme si j'étais dans une cathédrale? Alors, on va le faire maintenant, ce sera une répétition pour après. D'accord? Ils vont être contents, ils vont dire on est mariés demain. Ouais, attendez, bougez pas. Vous faites les demoiselles d'honneur. Il cherche. Tu mets un truc, n'importe quoi. Allez, allez, non, y'a rien là. Ah oui. Et moi, je fais le tonton bourré. D'accord. Et une petite réverbe. Hein. Ouais, bah, je fais ce que je peux. C'est bien. Mes amis! Toute petite réverbe. Hein. J'ai demandé une cathédrale, j'ai pas demandé une église. Une chapelle. Ah, là, c'est chapelle, la toilette. Mes amis! Ah, bien là. Ouais, on est là. Frère! Nous sommes réunis pour le mariage de Boussard-Boyard et Sylvia. Sylvia? Oui. Acceptez-vous de prendre pour époux Boussard-Boyard? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Dans 5 ans. Oui, non. Non, maintenant. Boussard-Boyard? Oui. Acceptez-vous de prendre pour épouse Sylvia ici présente? Oui. Embrassez-vous. Avec la langue. Bah oui. Faites-vous un bisou, je vais entendre le bisou qui claque. Touchez-vous. Non, les prélis, faites les prélis. Bon, bah, vous êtes mariés. En même temps, c'est pour dans 5 ans, c'est une petite répétition. Ils sont amoureux, ils se connaissent depuis 3 semaines. Vieux couple maintenant. Moi, j'aurais jamais accepté. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvia? J'ai dit depuis plus longtemps que ça. Combien de temps? Ah bon? Depuis combien de temps? Peut-être à peu près 2 ans. Mais d'accord. On est ah, d'accord sur c'est sûr que vous connaissez. On en reparlera plus tard. Here we go now, come on! Retrouvez tous les podcasts de Koé sur énergie.fr et koé.fr et les meilleurs de l'émission sur la web radio Énergie Koé.